Ah là 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 là. Tête de ma mère. Aïe aïe aïe. Ah mais bon c'était bien joué. Warm-up, pas de soucis, on part sur un warm-up. Nasty Impaled, de suite. Voilà. Maintenant je vous ai chauffé, y'a plus rien. Ah le salaud. T'es bien. Bien vu, bien vu. Mais t'inquiète, tu vas avoir le droit aux deux. Ah mais y'a pas de soucis. Tu sais qu'en plus j'ai... Genre, je commence vraiment un peu à avoir mal aux mains et tout là. Un peu comme, comme ça là. Aïe, on n'est pas de famille, c'est de famille hein, les maladies des mains. Exactement. Fais pas 50 dindis par match déjà. Mais oui, mais je sais. Mais je sais, mais je suis un débile. Je suis un débile, mec. C'est normal. Normal pour moi. Peut-être aussi, ils sont aussi singes. Tiens, je peux pas être bon là et Overwatch, tu vois. Allez, c'est parti. Faire ses cheveux corrects, ban de. Non. Mais oui, il faut faire un ban de stage. Mais oui, non, mais les gars, ils. Hey, franchement, j'ai fait une game de poule, enfin deux games de poule du coup contre Nasty. Game 1, ça allait hein. Ça allait. Bon après il met ses combos de base quoi, donc je me fais étaler. Mais franchement, voilà. Mais non mais t'inquiète baguette, hein, moi je fais les étirements tous les jours et tout. Vu que voilà, on est GM top 500 sur Overwatch, faut aussi, plutôt GM que top 500 en ce moment, mais faut aussi voilà, hein, 8 heures par jour, c'est compliqué. Ouais. Ça traîne. Non mais par contre c'est vrai. Non par contre sur Overwatch je me la touche par contre. Je suis un malade. Mais par contre oh Narav. Oh le sang la Honda. T'as vu comment je l'ai coumé le puff. Pas du tout. Je me suis fait défoncer. Est-ce que tu veux voir comment il a coumé le puff Narav? Vas-y. Allez hop. Alors du coup vraie question. Attends, je vais te montrer d'abord comment lui il s'est fait goumer. Ah salaud. Alors du coup, question, on dit vraiment goumé. Alors là, mec, là, c'était le festival. C'était festivalant, mec. Allez, joli Power Smash, j'étais pas sûr qu'il y aurait le public. Mais t'as bien raison, normalement, c'est un jeu de malade. En tout cas, et M. Karim, c'est vraiment vrai. Regarde ça, ce wave land totalement foiré du coup. Et là, parce que franchement. Aïe. Non. Karim, plutôt, j'entraîne ton canon. Eh, y'a pas de soucis, hein. En vrai, en septembre, je vais mettre du coup au stream quand j'aurai la fibre. Et là, par contre, je vais full Overwatch. Et je vais aussi faire des streams un peu de dans le lead. Tuto, il a un joli lead de plus de 30%. Oh là là, regardez-moi. Quel joueur incroyable, ce joueur français. Et le stomp. Il est. Calme. Il n'y a que ça, quoi. Et du coup, voilà. Donc, il n'y a pas de soucis. Mais moi, j'appuie juste vite sur des boutons. Donc, en fait, il faut que je switch sur Fox. Mais j'aime pas. Donc je préfère Ganon, c'est plus straightforward. Ça tape quoi. Bon, leur réchauffement, il dure 26 ans ou... Bah écoute, là à ce moment-là, je pense qu'ils vont prendre feu à un moment, tu vois. C'est qui? C'est Klax. Simus, t'as 3 heures. Ben ouais, on est d'accord. Hein. Un délire. Ouais, voilà. Et du coup quand j'ai marché pour faire le up tilt, ouais. Les mains tremblaient. Hein. J'étais là, si je mets un forward tilt, mais la tête de ma mère, mais comment je meurs, je décède, je quitte le stream, je quitte la vie, je me suicide, c'est fini. Mais non, je pars jouer Kirby au Alaska et je vais tous les défoncer. Est-ce qu'il y a des joueurs bons en Alaska, c'est la vraie question. Syndicate, moi, grave. Syndicate. Assassin's Creed? Hein? Assassin's Creed, c'est une non. Allez, c'est bon, c'est bon. Syndicate, c'est eh ben, un énorme tournoi qui a lieu à Utrecht. Utrecht, ouais, au Pays-Bas. Faut dire vite, hein. Utrecht, c'est voilà. Les gens disent Utrecht, alors non, si je pensais plus être, ça. Tu vois? Hein, j'ai rien entendu, et à vrai dire, pas. C'est Utrecht. et du coup, ouais, c'est. Ce dernier de la famille. Et ça ne remonte pas. Tellement belle stock du pays. Il y a des points ronds, là, ce qu'il y a des bruits. Ouais. Ouais. Et donc, ouais, Syndicate, pardon, excuse-moi, c'est en octobre cette année, je crois. Et donc, ouais, c'est à Utrecht et c'est tournoi Melee et Ultimate. Bah, il faut. Ah, bah, ouais, c'est Syndicate. C'est depuis la première édition, c'est comme ça. Touf du note gris. Et Syndicate, ça a été le premier tournoi où j'ai rencontré Westbound.
Ouais, bon. Alors je sais pas s'il sera là du coup pour la troisième édition. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé pour un Sylph Gaming Airbnb, eh ben écoutez. Voilà. Alors, les dons sont dans la description, hein, n'oubliez pas du coup. Hein. Tipez vos streamers un peu, tipez-les. Les pauvres, ils s'arrachent le cul, ils jouent pas. C'est à cause de vous en fait qu'ils grignent pas, le pauvre. Ouais, c'est ça, donnez-moi une bonne excuse, les gars. Allez, c'est bon. Il a son Jones pour la vie. Et ouais, j'y crois, mes adèles. C'est bien, merci. Pourquoi tu grignes pas, Bakou? Ah, parce que je fais de la communauté, tu comprends, je peux pas tout faire. Bien sûr. Ah, mais oui, mais alors les Valkyries, eh ben je vous supporte à 100%. Et ouf. Et ouais. Oh là là, mais c'est on dit pas les Smash Sisters, on dit les Valkyries. Et ah oui, j'avoue, Sylph. On sait jamais, avec un peu de chance, j'aurais pu l'appeler du sommeil à ce moment-là. Donc je parle trop mal. Cette stock de Nesty était plutôt clinasse. Et bah, tu sais quoi, si elle était plutôt clinasse, moi je la clipasse. Et bah, vas-y. Des ronflements, mais tout de suite. Au Bakou. Ouais, mais je vous jure. C'est dur pour lui d'être un bûcheron toute sa vie. On respecte pas les gens qui ont de l'apnée du sommeil. Visibilité pour eux quand même. Attends bien, il n'y a pas de souci. C'est plus, j'ai juste moi réveillé Bakou qu'autre chose en fait. Attention à Nestix et Ubi. Attention à ça. Ouh, le wave dash jab, pas terrible monsieur. Instantanément puni par le Impaid. Hey mec, j'ai une énorme blague de L. Est-ce que t'es prête? Alors ça, vraiment, j'ai trouvé sur Facebook, je n'ai aucun honneur. C'est genre, quand tu dis un mort vivant, c'est un oxymore. Oui. Bah d'accord. Mais un oxymore, c'est un pléonasme. C'est un pléonasme. Voilà. Alors, je ne sais pas si dire oxy, mais voilà. Oxyre, c'est tuer. Ok, d'accord. Donc un oxymore, c'est un pléonasme. Je comprends mieux, je comprends mieux. Et voilà. Maintenant, j'ai perdu 50 viewers. C'est passé. Le coup passe à si près. Va-t-il trouver? Attention, non mais monsieur Nesty, arrêtez. Arrêtez. Je vous demande où vous l'arrêtez. Et Storm. Freeze. Non, les Valkyries, c'est tout simplement le nom des Smash Sisters. Alors, européenne ou française, bah, Baguette, je te laisse me corriger dans le chat. Parce que voilà, Smash Sisters, en fait, c'est. Voilà, merci. Merci, Baguette, tu représentes super bien. Après, une paye qui est chaud là, qui est très très chaud. Attends, je m'écoule, mais on est en vigueur, c'est en même temps en fait. Oh là là, mais la game 1 remportée par Nesty. C'était un duel au sommet. Parce que là, vraiment, on a parlé de nos vies, et pas parlé du match, mais franchement, il y avait de très très belles actions. Ouais, c'était franchement plutôt Kali. Kali, Kali. Allez, on part tout de suite sur Battlefield. Après le Yoshi Story. Ça se cherche, hein, ça cherche le up-tilt pour Nesty, il a cru qu'il peut... Nesty, je pense qu'il pense, bien entendu. Voilà, aussi, je pense qu'il pense. Hein. Bah ouais, je pense qu'il pense qu'il pensera, mais je pensais qu'il n'y pensera pas. Allez hop, comprendra qu'il pourra. Quel enculé ce tapin, le pire commentateur de nous. Non, monsieur Imped. Ouais, retire les oreilles, gros, t'inquiète. Oh, le suicide, le pauvre. Ouh. Et le père trouvé, ce n'est pas Fox, mais Falco, les amis. Attention, Nesty, non plus. Attention, ça me suit. Alors qu'on a Clex, là, pas loin. À côté, ça clash les Ganons, à ce que je vois, Jean. Hein. C'est ça, les Fox, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Baisse les yeux. Welp, depuis quand il y a une Ganon Family? À la base. Dude. Oh, faut que je me pose là-dessus maintenant. Vas-y, pose-toi là-dessus, il y a Welp qui nous rejoint. Donc du coup, je disais, le truc, c'est que à un moment, tu vois, il était une fois, ouais. Il y avait une zone à Pontoise avec un Ganon qui s'appelle Jugo. Ça parle très mal. Eh, j'ai rien dit. J'ai juste dit, il était une fois, il y avait un Ganon qui s'appelle Jugo. Maintenant, il joue Richter. Il a Géchant. Il a grave Géchant. C'est pas moi qui parle mal. Vas-y. Il a Géchant de ouf. Bah écoute, moi, tu vois, vas-y, barbecue. Tu vois, il y a une rédemption possible. Tu vois, il y a une rédemption, tu vois. Oh là là, mais tous les lasers trouvés. Attention, ça revient. Trop chaud. Ça fait tomber, hein.
Allez, los paquerinos. Non, on reste sur le putain de jeu, j'ai fait los paqueros plutôt. Los paqueros. Nesty pense que ces Uptiles sont des Uptiles de marque, hein, vu qu'il les fait à chaque fois en dessous des plateformes. Il essaie de les choper avec ça. Ça touche en vrai, non? Bah, ça touche, hein. Bah, ça touche, donc c'est bon. Mais c'est juste, c'est plus lent, tu vois. Oui, exact. Et, mais si, c'est la même, hein. Genre, si, il a une petite manie de l'autre type, mon gars. De ouf. De fou, tu vois. Mais en vrai, il y a. Genre, Samus, il y a un pro type pour l'Edgard, tu vois. Quand. Oh putain. Oh, oh chie. La grosse rite. That was sick, dude. Mais en vrai, le truc, c'est que le pro type contre Samus, tu restes sur le putain de ledge. Ah, là, quand elle fait son grappin, elle se relève, tu lui mets un back air. Ou tu lui mets un donner et elle meurt. Voilà. Moi, je dis bravo. Ouais.